Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis Avenue Galine, 69100 Villeurbanne. Prendre tram Terminus 4 ou Terminus 1, gare par Dieu direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Elle est sorcière. Bah, elle est sorcière qui va y voir. Elle est sorcière. Comment devenir sorcière? Papa, c'est à qui va y voir. C'est à ressusciter. Elle est ressusciter. Elle est ressusciter. Elles ont une association des femmes au village et elles travaillent ensemble dans les champs. Et c'est dans ça qu'une femme parmi elles qui était sorcière a transformé la viande de porc en chair humaine et elle les a tous initiés à la sorcellerie. Attends quoi? Elle a transformé la viande de l'homme. De porc en l'homme et les artistes initiales à la sorcellerie. Donc, c'est une dame. Et quand ils ont initié la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un peu de monde qui a baillé, il y a un peu de monde qui a baillé. Elle a fait pour tuer les personnes. Elle dit que quand quelqu'un lui fait quelque chose aussi, elle dit que quand elle a la sorcellerie aussi, elle fait aussi parler avec les gens, elle fait les histoires. Là, ici. Non, sorcellerie ne fait pas les histoires, elle tue, elle gâte. Un sorcier est venu faire balade, c'est ringoulé. Il y a un bail de pas tout le monde. Il a tué combien de personnes? Il y a un bail de personnes. Pourquoi tout à l'heure tu m'as dit une personne? C'était quand il y a un bail de personnes. Il y a un bail de personnes. Elle était surprise, c'est vrai, elle elle a été effrayée. Par qui? Est-ce qu'elle te traduit bien? Elle traduit. Par qui t'es frais? Par qui? Toi, on peut te frais. Demande-lui. C'est toi qui es frais les gens ou bien nous, on peut te frais. Toi, sorcier, qui peut te frais? Bien, yo. Ouais, petit sans être souvent sans pas couture. Alors, eh bien, viens, ma frère. Toi, on peut te frais? C'est toi qui peux effrayer les gens la nuit. Toi, on peut effrayer. Il n'y a pas de voir, petit Samon. D'ailleurs, c'est moi qui ai un petit homme. Elle était assise là, quand on l'avait appelée, elle était surprise. Elle s'est fait la discussion. Pourquoi? Et c'est toi. Pourquoi tu vas être surprise? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es avec moi? Pourquoi? Attends, pourquoi? Il y a un chrétien, c'est pour moi. Un chrétien. Maman est sali, comme elle sait qu'elle a fait quelque chose, ça fait là une peur. Quand tu as fait quelque chose de mauvais, tu n'as pas peur, tu dis. Pourquoi tu sois? Pourquoi toi tu as peur? Pourquoi tu ne vas pas quitter? Bien, yo. Quand il s'en va, tu as peur. À quand tu n'as pas le corps pour me sous le chaos. Mais tu dis aux gens, j'ai fait qui? Yes, à quand on va prendre le temps pour aller nous dire. Elle dit quoi?
Elle a vu quitter la sorcellerie et même dans les rêves, elle veut pratiquer la sorcellerie. Elle veut quitter la sorcellerie. Mais quand on a peur d'aller à la sorcellerie, on n'a pas peur de parler. Elle dit quoi? Elle ne voyait pas du tout. C'est maintenant qu'elle a vu. C'est quand elle est venue ici. Il parle trop. Tu veux délivrer ou pas? En mon nom, je vais vous dire que je vais vous dire. Je vais vous dire que je vais vous dire. Quand tu veux la délivrance, il faut dire ce que tu as fait. Il a dit que c'est un peu de temps. Quel est ceci? Bon, ok. Tu as tué 27 personnes, on continue. Après, ils sont pourquoi vous parlez du bon? Quand tu tues là, ça te fait quoi? Faut dire, quand elle tue l'homme, demande quand elle va tuer une personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Bah, il y a un soquet. L'être humain est sacré. Vous le regardez et vous le tuez. Souvent quand j'ai fini les aveux, je réfléchis à ça jusqu'à comme un être humain qui se repose. Vous savez que tuer une personne n'est pas bien. Et vous torturez la personne. Et vous tuez. Et de sous quoi pas te manger encore ça. Vous lui demandez quand il tue l'homme là, ça fait quoi? 4%. Elle dit après l'avoir tué, elle a peur. Un, deux, verset, quelle peur? Il a appelé à Blaouni Sou, c'est le Ougani. Tu as peur de quoi? Il a dit que là-bas il y a une hiérarchie, et que si le patron dit va travailler, il ne fera que faire. Tu es patron, faut laisser après des patrons. Toi-même, tu es patron. Il ne va pas dire patron. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'envoyer. C'est toi qui envoies les gens. On va se mettre en moi. On laisse ça faire des patrons. Oui, c'est eux qui les envoient. Alors, maintenant, tu écoutes quelle voix des patrons? Il y a un patron béni, il y a un quel des patrons. Vous êtes combien là-bas? Un petit sera un yellow. Un petit sera un yellow. 9. 9 personnes. C'est très bien, t'as dit la vérité. Toi, tu es quoi là-bas? Parmi les neuf là? Mais les gens ne veulent pas qu'on parle de ça, le sujet. Il y a tellement de choses. On doit parler de ça. Nos cas, les gens travaillent. Ils sont victimes de ça. On les détruit. Les gens sont là pour mener la vie difficile aux gens, gâcher la vie. Elle dit là-bas, elle est la patronne, la reine. Où est ton gourdin? On a quand même pas qu'on se rende. Elle a laissé ça au village là-bas. Ah, mais tu viens te délivrer et tu laisses ton, l'arme que tu prends pour tuer là-bas. Pourquoi? Demandez, faut lui demander. Elle était venue pourquoi ici? Tu peux savoir à lui avant. Elle vient parce que ce qu'elle a fait n'est pas bon. Elle vient pour que. Bon, maintenant ce que tu prends pour tuer là, tu laisses ça là-bas. Donc, il y a un jour, il dit d'avoir un appareil sa terre. Donc, on a un kilo. Il y a un kilo. Elle dit, c'est pas qu'on a encore. Elle doit envoyer ce qu'elle a dit. Plus de sorciers. Les bouches. Tu sais pas qu'on doit envoyer. C'est comme un bandit, il faut lui dire. C'est comme un braqueur. Hein, qui vient à la police pour dire, je suis braqueur. On lui dit, mais où est le fusil? Mais c'est pas braqueur dans la bouche. Oui, c'est qui te prend pour aller braquer.
Non, j'ai laissé monsieur dans ma chambre. On dit non, toi, non, tu n'es pas venu. Bien, il faut. Non, on va te suivre là-bas. Elle est venue essayer pour dire, elle va venir voir, et puis on voit s'il est vraiment sorcier. On t'attrape. On t'attrape. Où est ton canari? Parce qu'elle est un canari. Elle est un canari très mystique, c'est son lit. Elle regarde. Elle a canari, où elle regarde dedans pour voir les gens pour les tuer. Bah, yo. Elle regarde son lit. Alors c'est marquant au Limboro. Annie à moi, vous serez mon hier à Koudjon. Où c'est? C'est marquant au. Elle dit c'est au village là-bas. Ok. Bon, j'ai besoin de ça. Va t'asseoir. Faut qu'il n'y ait pas de chance. Au besoin. Ils sont ses mariés. Tu fais ça comment est ça? Papa, ils sont ses mariés. Non, après, elle paye ça pour seulement. Elle dit que c'est comme un miroir. Elle dit que c'est comme un miroir. Un miroir. Quand tu déposes et que tu regardes, tu vois les gens. Puis tu vois les gens là-bas. Voilà. Puis tu as laissé tout ça, tu es ici. Lui-même, tu l'as fait quoi? Bon, on va voir, on va voir, on va dire ça. Quand il dit ça. Si tu dis, je te délivre. Ce qui t'a fait celui-là, si tu as le courage de dire, je te délivre. Il n'a pas eu le roi sur sa camp. Il a dit au train. Si tu n'as rien dit. Elle dit que son fils, la femme de son fils, il dit qu'il ne faut pas qu'il va enfanter. Donc quand la femme prend une grossesse, elle le boit le sang. Elle boit le sang avec la grossesse. C'est normal parce qu'elle est reine. Quand tu arrives à ce stade-là, tu as la capacité d'aller détruire les fœtus. Tu dis que ça. C'est cette partie vitale, le sang là, ça là, ça leur donne force. Si moi, il ne voit pas ça, il n'a pas de force. Mais justement, voici la partie qui est dangereuse. C'est ça qu'il faut, mener un combat farouche contre la sorcellerie. Les blancs qui se sont levés pour aller combattre la sorcellerie, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est nuisible, ce n'est pas utile la sorcellerie. Des innocents meurent à cause de leur pratique. Ils ont reçu d'éradiquer ça. C'est sur une autre forme. La franc-maçonnerie, dans une autre forme, la sorcellerie, la magie. Mais ici, c'est la sorcellerie brute qu'ils ont combattu là-bas. C'est ce qui se trouve ici. Eux ne vivent que de ça. Ils ne sont allergiques. Prêtez-moi. Ils sont allergiques à la bénédiction. C'est-à-dire, quand tu dois ton étoile, il détruit ça. C'est ça le danger. Et tu es là, tu es bloqué. Toi-même, tu sens que tu es dans une prison. Écoutez, quand quelqu'un suit le contrôle de la sorcellerie, c'est la frustration. C'est tout. C'est pas autre que ça. Pour avoir un contrat, ça se gâte. Rien ne bouge. Tout est bloqué. Ça veut dire que tu es sous le contrôle d'un esprit de la sorcellerie. C'est ce que la sorcellerie, il faut la combattre. Il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas jouer ça. Malheureusement aujourd'hui, peut-être que c'est peut-être d'autres personnes ne savent pas. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te détruire. Quel est au niveau 2 de la sorcellerie? Il est ton collègue. C'est cela que ce n'est pas n'importe qui. On fait amitié. Camaraderie. Moi, je ne fais pas confiance à tout le monde, je suis désolé. C'est ça qu'il te scanne d'abord. Parce que le sorcier, il va vouloir te détruire. C'est la partie des bénédictions. J'ai compté ça dans mon livre. À Guéillot, il y a une sœur chrétienne dans une église qu'on appelle l'église du réveil. Guéillot, cette sœur, elle était chargée par la confrérie de Guéillot de détruire les mariages dans les églises. C'est une diaconesse dans une église. Moi, il y a trop de choses à dire.
C'est parce que tout ce qui concerne l'église, je n'ose pas parler pour ne pas lancer un discrédit sur l'église. Sinon, pasteur sorcier, je viens délivrer ça. Il y a tant de choses que je peux dire ici, ça. Mais je garde ça pour ne pas salir l'image de l'église. C'est ça que je m'abstiens. Je ne parle pas des choses qu'on vit même dans notre milieu. Notre milieu là-même, il y a beaucoup de choses. Comme j'ai rencontré des pasteurs sorciers qui pratiquaient la sorcellerie dans Brigand. Je n'ose pas dire, c'est bon. Voilà, c'est bon, faut pas y aller trop. Qui sont venus, il y a un d'entre eux qui est venu faire des aveux. Il y a trop de choses. Hein, qui est venu se confier à moi. Montrer une vidéo d'une. Bon, c'est bon. Non, c'est bon. Il y a des choses, je n'ai pas envie de trop dire, c'est bon. J'ai trop aidé. Il y a des choses que j'ai détruites secrètement ici en Côte d'Ivoire. Je sais que ma vie est souvent menacée, mais je suis dedans. Parce que je ne vais pas permettre que les sorciers tuent les gens. J'ai été victime, je suis le rescapé de ma famille. Et c'est cela que je ne joue pas le sujet. Quand tu es sorcier, je ne joue pas ça. Si vous ne voulez pas vivre, laissez les gens vivre la vie. Mais attends, Dieu m'a donné une étoile. Ce n'est pas toi, une vieille pauvre femme, tu ne peux pas marcher. Là-bas, tu couilles, si tu ne couilles pas. Tu as venu bouffer mon étoile, pourquoi? Donc voici ça la sorcellerie. Il y a tellement de sujets pour lesquels on doit parler. Et grâce à comme ça. Il y a trop de choses à dire. Pourquoi on ne parlait pas de sorcellerie dans vos églises? C'est vrai que Jésus revient, ne péchez pas. Mais le sujet là, il est très important. Il n'y a pas vos fidèles dans les églises là, ils sont tous victimes de la sorcellerie. Arrêtez de rencontrer des conneries. Vous prêchez, tanana, je suis le meilleur, tu es le meilleur. Faut attaquer la sorcellerie. Vous parlez d'autres choses. Vous êtes là, vous parlez d'autres choses. Allez attaquer. Moi, j'encourage les hommes de Dieu. Je les appelais, ils ont peur. Mettons-nous ensemble. On va faire les grosses campagnes pour éradiquer la sorcellerie en Côte d'Ivoire. C'est possible. Les gens me disent, j'ai dit, c'est possible. Vous avez les voix. Il y a des pasteurs, ils ne disent pas les noms. On s'est rencontrés à la télé. Je les invite, ils disent, mais chez toi, on dit, les sorciers sont assis là. Toi, t'es assis là. Ils disent, oui. Hein? Il dit, mais il dit, la maladie des pasteurs. Révérend. Tu es bishop. Quand c'est à la télé, tu parles, brin. Nous, on est devant eux, comme ça, dans leur narine. Et puis, on les met au bas. Amen. Ben, sorcellerie, là, c'est devant les écrans. Vous parlez, prends maman Facebook. Ton sorcier va mourir. Ton sorcier va mourir. Ça, c'est devant Facebook. Faut venir voir la vieille, la police dit ça. Ça t'a pas testé. Témoignage, tu vas rendre ce paquet comme ça. Ton témoignage. La nuit avait été visitée. La nuit avait été visitée. Il y a tellement de sujets. Les gens sont victimes de la sorcellerie. Les gens sont frustrés. Le mariage est bloqué. Le travail, il n'y a plus de prospérité. Les finances sont bloquées. Le monsieur a fait son travail. Il connaît son travail. Il n'avance pas. Lui-même, il est convaincu qu'il y a une même mystique dedans. Les gens disent, ah, les Africains, ils sont superstitieux et ils voient le diable. Mais le diable, il est partout. Attendez, le diable, il est partout. Le monde invisible existe. Le monde mystique existe. Si ça existe, c'est ce qui m'arrive là. C'est donc spirituel. Parce que j'ai rempli toutes les conditions physiques. J'ai tout. Maintenant, pourquoi il n'avance pas? Pourquoi? C'est ça, le point d'interrogation. C'est que c'est quelque part d'autre. C'est mon problème des spirituels, des plus physiques, il devient carrément spirituel. Or, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Sur ce côté-là, vous ne voyez pas ça, vous êtes barbarés. C'est ça que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le monde spirituel, d'abord. C'est ça qu'il faut traiter avec le monde spirituel. Quand vous avez une affaire que vous devez aller traiter à 1h du matin, levez-vous jusqu'à 4h. Priez pour le rendez-vous. Parce que entre vous et le rendez-vous, la sorcellerie peut détruire ça. Vous loupez les grâces parce que vous ne savez pas comment entrer en contact. Alléluia. Amen. Le jour où Aman allait se plaindre, plaindre du roi pour détruire Mardoché, la Bible dit, la même nuit, le roi n'a pas dormi. Vous savez ce que Mardoché est en train de faire? Il est en train de parler au roi.
Parlez à l'âme du roi. Vous avez des rendez-vous d'affaires. Vous ne traitez pas avec le monde spirituel. Vous voyez ça comme ça. Ah non, c'est que s'il m'a donné un rendez-vous, il va respecter. Mais le monde spirituel, tout peut se détruire. Vous avez un rendez-vous, vous priez pour ça. Il faut que le monsieur, en te voyant, qu'il accepte tout ce que tu vas dire. Tout est possible. La Bible dit, tout ce que nous lions sera lié, tout ce que nous délions sera délié. Parle à son âme. Il s'appelle Jérémie. Tu dis, le jour, Jérémie a 8 ans à un rendez-vous. Dès que tu me vois, ici le contrat. Tu dis ce qui passe ici. Ce n'est pas un fait d'envoûtement. Tu signes le contrat. Se sont bloqués quelque part dans les petits bois. J'entends que ça fait souvent de justice. Vous devez prospérer. Amen. La prospérité, c'est pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est pas à ta mort que tu vas rendre témoignage. C'est de ton vivant. Nous ne devons pas échouer. L'échec n'est pas de Dieu. Alléluia. Vous avez une affaire. Mais traitez ça. Pendant toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Il fouillait le lit de chronique. Il tombe sur un sujet où Mardochée avait aidé. Il n'a pas été récompensé. Dès que Haman s'est présenté, le roi a commencé à parler. Amen. Nous avons le pouvoir de Christ pour régler toute solution. Tu ne dois plus échouer. Amen. Tu ne dois plus échouer. Amen. Tu m'as promis l'argent, c'est moi. C'est mon affaire. Tu dois me donner. Tu ne m'as pas donné, tu t'en vas. Il y a des prières comme ça. Tu vas te lever pour venir me donner mon argent. C'est pour moi. Il n'est pas troublé. Il y a des prières kamikazes, je vais vous donner. Tout ça, lisez mon livre, il y a trop de prières dedans. Ça va bientôt sortir. Il faut qu'il vous donne. Si son cœur n'est pas touché, il ne va pas s'élever. Or, s'il est là et qu'il ne pense pas à vous, il doit penser à vous. Amen. Il est là. À partir de 1h du matin, c'est des prières stratégiques comme ça. À partir de 1h, quelqu'un te doit. Il faut qu'il envoie ton argent. Tu envoies l'Esprit de Dieu sur lui. C'est saisi de son âme, son cœur. Tant qu'il ne t'a pas donné, qu'il n'est pas la paix. Parce que toi, tu es le prince de paix. C'est Dieu qui donne la paix. Mais lui, il ne doit pas avoir la paix parce qu'il te voit. S'il a la paix, il va dormir. Il ne va pas prendre ton sujet au sérieux. Il dort, il pense à toi. Il se réveille, il pense à toi. Il ne va pas venir t'appeler pour dire, viens prendre ton argent. Je suis fatigué, viens prendre ton argent. Combien? Quand vous voulez le dossier, donner un dossier de travail, un dossier, c'est pour vous. Parce que le travail est une bénédiction. Le plan de Dieu, c'est que tu travailles. Amen. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alors, Dieu lui-même te demande d'aller chercher. Quiconque cherche, trouve. Alors, donc, tu prends le dossier. Pendant 3 nuits, tu pars sur le dossier. Et toi-même, tu es convaincu que ton CV, tu amènes. Tu pars pendant 3 nuits. Tu pars sur le CV. Dès que le monsieur touche le CV, tant qu'il ne m'a pas pris dans le travail, qu'il ne soit pas en paix. 3 nuits. Vous priez de minuit à 4 heures, minuit à 4 heures, parler sur le dossier, balader, parler sur le dossier. Ce n'est pas en fait d'envoûtement. Ça, ce n'est pas en envoûtement. Il doit prendre ton dossier. C'est tout. C'est tout. Simple que ça. S'il refuse, en quoi Dieu est glorifié? Dieu, celui qui exauce les prières. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'est pas exaucé, quand quelqu'un est bloqué, sa foi prend un coup. Qu'il ne voit pas, sa foi prend un coup. Quelqu'un que Dieu écoute constamment, il a plus la crainte de Dieu. Il a peur de décevoir le Seigneur. Alléluia. Amen. Les sorciers là, c'est vous qui leur donnez raison. Quand ils commencent à parler, vous les sorcelleries, et ils font les programmations. À partir de minuit, 3 heures, ils vont forcément arrêter. Parce que l'heure, la porte de la journée s'ouvre à partir de 4 heures. Nos frères musulmans, c'est Allah, Allah Akbar. Le médecin, il crie dans le quartier. Donc c'est là les portes s'ouvrent. Or, cette heure-là, elle est très stratégique. Elle est très stratégique. Mais nous, on dort. C'est là même on fait des conseils gaz. Le gars même, il ronfle même. Tu dis, mais c'est quel conseil il est en train de faire dans sa chambre? Là, il y a trop de... Chut.
Donne-moi mon cote. On est banjak. Mon cote. Oh, c'est à partir de 80 sommets la demain tout. Et sucré. Il y a sucre dedans même. C'est très tout. C'est 4. Oh, c'est là, il faut prier. Amen. Parce que c'est là. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ne négligez pas la prière. Une fois que vous négligez le spirituel, tout se dégrade, tout s'écroule autour de vous. Amen. C'est pour ça que là, à partir de 3h, 3h30 jusqu'à 5h, 1h30 de prière, vous avez tout possédé. Vous déprogrammez la mort, l'accident, parce qu'ils vont programmer mort, accident, pauvreté. Si vous détruisez votre image, l'humiliation, tout se programme en même temps. Vous déprogrammez. À partir de 5h, vous commencez à proclamer les choses sur votre vie, sur la journée. Vous avez la bénédiction. Pourquoi toi tu pries puis tu n'es pas exaucé? Tu ne sais pas prier. La Bible même, Jésus m'a dit, vous priez, vous ne les... parce que vous priez mal. Vous n'avez pas prié. C'est pour ça que bientôt même, ils vont avoir une école. Je suis là pendant 2 semaines. Je vais enseigner comme ça pendant 2 semaines. Je serai là pendant 2 semaines comme ça. Ici à Divo, 2 semaines. Je serai tout le temps là comme ça. J'ai fait une école de prière. Je vais vous enseigner. Vous enseignez, vous enseignez, vous enseignez. Parce que c'est important. Le diable doit échouer. Il stoppe et puis il échoue. Amen. Amen. Moi, quand il me met devant la prière du Seigneur, je suis content parce qu'il dit, Seigneur, je te remercie parce que j'ai rencontré le véritable Dieu que tu es. Amen. Parce que je sais que tu écoutes mes prières. Merci. Vous devez prospérer. On va, on revient, tu es la même personne. Rien ne bouge. Mais ça veut dire quoi? Oh, tu as une Bible, tu vas à l'église. Mais c'est parce que les gens veulent voir. Ils veulent voir Dieu en train de te bénir. C'est ça qui va les attirer. C'est tout. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Tu as fait quoi sur lui? Il y a un peu à y voir ma soeur. Il a dit que lui, il n'a rien fait sur lui, mais c'est sa femme. Et 4 les petits de sa femme. C'est comme ça. Dans le micro. Il me va témoigner maintenant. Bon, effectivement, ce que dit, je crois que c'est en tout cas c'est réel. Parce que ma femme et moi, ça fait 13 ans ensemble. On n'a jamais eu de retard. 13 ans. Pas de retard. La vieille boit le sang. Quand je vous disais la sorcellerie, là, ça commence d'abord familial d'abord. Qu'est-ce que tu as fait de monsieur? Il y a un peu de monde qui a fait de monsieur. Elle était appelée. Ça, c'est ma femme. Il faut lire, la vieille, tu veux délivrer. Après le temps, on serait n'importe où. Tu veux délivrer. Tu as fait quoi dans ton fils? Tu as fait quoi? Il y a 2 choses que tu as fait. Si tu dis, ok, je vais te délivrer. Il y a 2. Il y a 2. Il y a 2. Moi, est-ce que le gars va pas me jeter? Elle dit qu'elle a bloqué son argent. Très bien. Ça, c'est déjà une vérité. Comment tu as bloqué son argent? Papa, c'est la femme. Elle est à mon nom, mais c'est qu'elle va y. Et j'ai compris la sorcellerie. Même il le regardait, mais il parlait là. Il le regardait, il dit, mais il y a eu la victime, il y a eu. Là, c'est mouton ça. Elle a pris sa chance d'être qui faut. Vous ne voudrez pas qu'il ait de l'argent. Tu as pris ça comment?
Papa, c'est un falio. Tu peux dire quand il y a un falio. Pendant qu'on la délivre, on te délivre aussi. Ici, on est 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 il a quoi avoir son papa? Faut pas me fatiguer. Tu as gardé son argent. La raison n'est pas, c'est pas ça la raison. Elle a gardé son argent parce qu'elle a une promotion sorcellerie. Elle a vendu pour qu'on lui donne le pouvoir de sorcellerie. Bien joué. On voit ici qu'il y a quelqu'un dans le mort, va y le timi. Il tient à il y a un peu à y a un palio. C'est ça. Donc tu entends de jouer moi quoi. Tu me jouer moi. Parce qu'on voit. Attends. Qu'est-ce que tu as dit là, c'est ça. Maintenant c'est quel pouvoir t'en donner? Il tient même pas mal de quand il y a un peu. Il faut dire qu'elle peut se doubler trois fois. Ce pouvoir est là, ça. Il en a ce pouvoir de se doubler trois fois. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de faire ça une seule fois, mais elle a ce pouvoir-là. Elle a vendu pour se doubler trois fois. Seigneur, ce que Aïli aura ici, il y a des apakas qui ont plein de sang. Aïli, Neyo. Non, tu ne dis pas. C'est ça. Hein? Et puis, tu ne dis pas. Tu as vu ta maman? Il faut dire ta maman, il faut lui dire que sa maman ne peut pas délivrer, elle est en train de fatiguer. Tu ne peux pas délivrer. Non, premièrement, tu es bien, c'est le bébé. Tu as vu ça, comment non? Ton avion là, tu fais comment? Ton avion? Avion. Allez ou bien les mains. Allez, mais quoi qu'il dit ça, elle s'est même dit comme lui. Il n'a pas bien expliqué. C'est son condo là. Excusez-moi, je suis obligé de dire ça. Moi, je me suis excusé par son fils tout à l'heure. C'est ce qu'elle prend, son condo là. C'est ce qu'elle prend, fait la vie. Excusez-moi, je suis obligé de dire. Voilà les choses. Excuse-moi. Elle dit c'est ça. Elle dit c'est ça. C'est la vérité. Maintenant, pourquoi tu n'expliques pas? Tu fais ça comment? Tu vas pas ça à écouter pour qu'à ta vie. Hein? Yo, tu vas faire un peu de mais on cache l'avion, il y a un peu de crio. Elle dit ça. Elle veut quoi? Elle est la vie, ça. C'est là, je suis comme ça. Voilà, et puis quoi? Ça devient bien.
Elle déplie le kodjo. Elle monte. Elle s'en va. Elle déplie ça, ça arrive à Bion. Elle monte, ça, ça va. On lui dit. On lui dit. Je sais tout. Tout ce qu'elle fait, je connais. Mais si il parle, c'est pas bon pour elle. Il faut qu'elle-même dise les choses. Mais le canari, j'ai besoin de ça. Le canari, c'est ma obésité. Voilà. Elle dit que le jour où elle devait venir avec, on lui a dit de laisser ça là-bas, que c'est au village là-bas. Bon, on va aller prendre, hein. On va prendre. Tu n'as pas encore fini le village là-bas. Hein? Tu as parlé d'argent, il est deuxième chose. Il y a eu un vacances quand il y a eu un vacances. 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 Si tu n'as pas envie de parler, tu vas quitter chez moi ici. Pour lui, ça va comprendre. Yo, ça prendrait comment? Ça va me aller de voir. Ça va être à voir encore. Ça va, Valérie. Yo, bon. Bon, puis là, je suis quand même maman. Est-ce que c'est ça? Quand j'étudie, j'ai vu comment les blancs les traquaient. Quand on partait à Rouen, il y a la cathédrale que les gens visitent, où il y a eu le procès des gens d'Aqua. Malheureusement, cette dame qui n'est pas sur le chemin, qui avait les visions, ils l'ont tué. Mais la cathédrale est là, c'est l'an 2000. Voici où est le procès des gens d'Aqua. Dans ce coin-là. Quand un sorcier commence à parler, qu'il ne parle pas bien, on prend, on fait chaud, et puis on met dans son œil. Chaud. Bon. C'est son mouton de janvier. C'est pas là. Demande-lui. Janvier dans combien? 3 mois, non? Janvier bois. Et c'est 2 mois. Octobre, novembre, c'est 3 mois. Elle a mangé. Elle va manger, ouais. Elle dit c'est ça. Elle est mangée. Tu vas aller manger. Il a dit que. Janvier. Elle dit oui qu'elle veut. Mais est-ce que tu lui as dit ça? Elle dit non, qu'elle ne lui a pas dit ça. Et pourquoi? Il y a un mouton, il y a quand il parlait là, il dit, mais il y a lui là. Mais c'est un mouton, elle mouton. Elle dit. Oh, t'es mangé en janvier. Sauce claire. Sauce claire, tu qui t'es mangé. Il dit quoi? Elle dit, comme elle veut le tuer là, c'est pourquoi elle ne lui a pas dit ça. Si elle lui dit, il va savoir. On lui dit ça maintenant. Bye bye. Il y a qu'un cri. Lui, un chrétien. Elle lui dit. Il parle pas bien. Lève-toi. Tu parles tout sourire. Pense que tu parles quand on entend s'amuser. C'est pas du cinéma. Elle dit moi, elle dit quoi? Il dit que. J'ai dit que. Elle dit, j'ai dit qu'en janvier, j'ai été tué. J'ai dit que. Elle a dit que. En janvier, va le tuer. Elle dit, j'ai dit, j'ai été tué en janvier. Pourquoi? Une question. Pourquoi tu as le tué? Pourquoi tu as appelé? Elle dit comme ça, elle est pratique à son service, c'est pourquoi vous le tuer en société. Elle mangeait ses viandes. Il y a un nez que. Il y a un nez que.
Elle dit dans la sorcellerie, c'est bien. Donc il est déjà un mouton. Donc on le montre que va y boire, on le va y non. Elle dit oui. Tracé. Non, tracé. Ça va bré. Bienvenue, tu dis, peut-être on l'a accusé de elle est sorcière. Toi-même, janvier, mouton, sans sa rachute. Sauf que les avis, c'est important. Je ne suis pas demandé de dire des sorciers. Tu as tué qui et tu as caché qui? On est en sorcier. Elle va. J'ai pas mon tour. Donc, il n'y a pas de mouton là-bas. Ou chez elle, il n'y a pas. C'est, tous les moutons sont finis. Bien, yo. On va ici, car. Bafa. Il poussait. Bafa. C'est le meilleur combat. La sorcellerie. C'est le meilleur combat. Plein sont des moutons dans l'église. Des sorciers. Quand tu fais des lits, amen, tu es dans marmite. Sans grève. Hein, foutu pendant le mur. Les sorciers, ils en fichent. Elle dit quoi? Elle dit dans mon village là-bas, il y a des animaux là-bas. Mais pourquoi elle n'achète pas pour manger? Yo. C'est plus doux que poisson. Non, il fait traduire dans le diable. Pour répondre à mes questions. Il y a des sous, on se sent pas quand t'es sous. C'est plus doux que poisson. Donc ça ne va pas laisser. Donc on peut dire celui-là qui va se rendre direct. Elle est venue pour être délivrée et elle veut laisser. Bon, tu veux laisser, mais c'est tout. Donc on fait comment? Yo, pour les acquis, plus ou moins, on y fait. Monsieur, tu as été délivré. Hein? Quand je vous dis, il n'y a rien, le hasard n'existe pas. C'est une question de programmation. C'est qui j'en ai dit là? Il y a un monsieur qui est venu ici. C'est le responsable de Pâques Plus à Pietri là. Père à son âge, j'avais désiré les morts. Vous m'excusez de me parler. Sa fille lui a dit, ils vont le tuer en fin d'année passée là. Moi je vais partir aux États-Unis. Ils sont venus, on a parlé, ils sont au bureau ici. Il dit, je ne crois pas, mais comme elle a dit, j'ai appelé un de mes amis aux États-Unis, celui qui m'a dit de venir. Il dit, vous ne croyez pas? Il dit, bon, comme elle même dit, lui l'a vu sans plaisanter. Je lui ai dit, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. On s'est changé les numéros. Je suis allé aux États-Unis. L'année est passée, décembre, janvier est passé. Rien. Il ne m'appelle pas, il ne cherche pas à me voir. J'étais en France. Quand j'ai vu Rip sur son nom, parce qu'on est amis sur Facebook. En mars, ils l'ont tué.
Il est mort. Il est venu ici. Tout le monde le sait. C'est ici. Je lui ai dit ce qu'ils ont dit là. Si tu ne poursuis pas ta délivrance, ils vont te tuer. Ils m'ont tout dit. La fille m'a tout dit. Celui-là, la fille m'a passé la nuit chez moi parce qu'elle ne voulait pas dormir ici. Et c'est chez moi même à la maison, ma résidence. Il y a une maîtrise spirituelle de Londres qui m'a recommandé, il faut aider mon ami, pardon, il faut l'aider. C'est pardon là, il dit, bon, je vais prendre le sujet au sérieux, mais lui n'a pas pris au sérieux. Il est mort. C'est pour dire ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas de l'amusement. Voilà. Nous, on a trop de témoignages ici. Les gens que j'ai programmé qui jouaient ça, on les a mangés. La vie, elle a essayé de manger. Ce qu'elle dit là, c'est pas faux. Elle a été mangée une bonne sauce arachide. Elle est foutue, igname. Elle vient de manger de foutue, igname. Elle est bien tout mangée. Plein janvier. Elle allait boire du vin. Ta femme, la met ses vins maintenant. Elle rentre. Elle a mangé. Ils vont pleurer, c'est fini. C'est fini. Il faut lui dire, elle est sorcière, puis depuis, elle ne se peut pas délivrer. Yayo, quand tu vas y aller pour la langue, quand on a un pays, il y a du monde. 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 Qu'est-ce que ça a à voir avec délivrance? Il faut lui demander. Le mot des filles, là, ça peut avoir. Elle était délivrée. Elle dit qu'elle veut venir se faire délivrer et qu'elle n'a pas quelqu'un pour l'accompagner, mais ça la mal au pied, c'est pas les assises là-bas. Une bouche de sorcier. Elle dit c'est vous qui ne voulez pas l'envoyer à l'église, la délivrer. Non, mais elle dit, elle peut t'appeler. Elle dit pourquoi c'est toi qui ne veux pas la faire délivrer. Hein? C'est ce qu'il va attendre. Elle dit quoi? Elle dit que quand elle voit les choses, elle est venue prier, mais elle ne peut pas marcher, c'est plus trop mal. Elle n'a pas enfant auprès d'elle. Pour lui, son fils dit c'est faux. Il y a oh, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Elle dit si elle vient, il va se couper d'un. Les filles sont pas là. Bon, tu as assis puis tu continues de manger. Tu ne comprends pas, elle te dit ça. Là, on va prier pour la vieille. Je crois que la vieille a parlé la dernière fois. Donne une chaise à la vieille. On va mettre. Il dit son, sa fille aussi, sa femme aussi est enceinte, il prend le sang et le fétiche. Le fétiche, c'est comme. Elle est casse, bam, elle voit. Lève là. Il y a un petit fils aussi qui est son. Et son Shiva, elle est plus morte. Il y a un peu, elle a caché aussi, c'est pour son bonheur, et aussi elle prend aussi son sang aussi. Ouais, la vieille n'est pas non. Il dit que c'est ça que quelqu'un m'a changé. Oh, tu as vu? Elle parle parce qu'elle veut quitter la sorcellerie. Mais je saute, j'écris. Je parle à vous, mais c'est ça ma vie d'attendre ici. La vieille avait quitté. Elle parle. Elle est fatiguée de la sorcellerie. Allons-y. Elle dit ses petits-fils aussi qui vont à l'école, elle a caché le bonheur. Le bonheur. Oh, il ne faut pas. Et moi, il m'a bien le rendu quand même. Oui. Il est la vie dans un de Paris. Il
Quand elle est à son avion, c'est son Kodjo. Quand elle veut partir, elle enlève et puis elle est calme. C'est le Kodjo. Oui, puis elle monte de la elle est calme, le Kodjo, puis elle monte la suite, elle s'en va. Son Kodjo est à son avion. Compris. C'est elle quoi? Ça aussi, son niveau. C'est quel air? Non, Air France n'a pas parti. Air quoi? Elle dit aussi que c'est aussi un miroir aussi. Là, un miroir dans lequel elle regarde son canari. Ah, le canari devient une caméra. Voilà. Et puis elle regarde et peut voir les gens. Elle regarde dans le canari. Faire voir des gens dans les Canaries. C'est-à-dire que les Canaries vont me laisser pour le campement là-bas. Ces Canaries-là, j'ai besoin. J'ai besoin de ça. La semaine, on va aller prendre ça. Aujourd'hui même. Hein? Merci. Ah, moi j'aime les gars comme ça. Voilà. J'aime les gars, ils sont prêts. Merci. Faut qu'on finisse ça. Je sens que la vie est fatiguée. C'est ça. Non, on va régler ça aujourd'hui. On va être à la moment d'aller. On va aller chercher. On va lui montrer où elle a mis. Mais oui. Quelque chose dit, c'est. T'as les alarmes. Vous l'avez dit. Son fils dit. Elle va montrer après, il va aller chercher. Oh, oui, oui, après, il va passer ses mains. On va au Faba. Elle est d'accord. Vas-y, après, elle dit qu'elle a compris, elle va l'indiquer un peu. Mais elle a qu'à indiquer un peu. Elle a appliqué dans la première fois, elle a sous. Après, elle a essayé d'appliquer dans mon musée. C'est ça, c'est nous. Tu as banné ou bien? Elle est quoi? Elle dit quand tu rentres dans la maison, à gauche, elle a des bassines où elle met ses bagages dedans, où les canaris sont tous dedans. Ici, il n'a pas regardé là. Il n'a pas regardé là. Ok. Donc, nous on va mettre en voiture. Vas-y, va là-bas. Il y a une moto. Ici, il y a une moto. Mais pour quelqu'un va nous te suivre. Oui, si, ou même lui, tout le monde. Voilà, comme ça on prie en même temps. Voilà, comme ça si elle est, elle est protégée aussi. Comme ça on assainit la maison en même temps. Ça c'est horrible. Bon, donc on attend le canari. On va y aller, les soumis des seigneurs. On va achever. Tu vas parler, on va tout détruire. Quand ils vont partir, ils vont prendre l'huile aussi pour gâter là-bas. On va gâter ce qui est en toi, puis c'est fini. Bien, quelqu'un va s'en couper. Et ça, il sera mis au rabicot. Il y a un bébé, il y a un solo. Il faut que le tout soit mieux. Pour qu'on ne puisse pas. Moi aussi, il y a ça qui nous serait mieux. Ok, du courage. Voilà, du courage. On va. Ce que je te dis, ce que tu as compris, ça c'est tout. Dieu merci. Il y a des gens, eux, ils ne comprennent pas. Mais toi, tu as compris. Et tu es en train de l'aider. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas aussi ce qui se passe. C'est vrai que c'est elle qui gâte, mais elle est contrôlée par un esprit qui la pousse à faire. J'aimais ta réaction tout à l'heure, vous dites, il faut qu'on gâte ça en même temps. Ça veut dire que toi, tu coopères. J'aimerais que les choses se règlent. Merci. Ça veut dire que si elle est délivrée, vous allez bien la recevoir. Une maman reste une maman. Un parent reste un parent. On ne choisit pas. Sinon, chacun est choisi Bill Gates. C'est le plus riche du monde. Tu veux qu'il y ait le Bill Gates, qui est malade pour aller manger, madame Bressé. C'est malade. Je ne comprends pas une famille malade. Il est piqué. Donc, je ne sais pas, c'est Dieu qui donne. Ils ont rien, rien, mais c'est Dieu. Donc, toi, c'est pour toi aussi une manière d'aider ta maman. Parce que toi, tu as mis au monde. C'est comme toi, tu es en train de l'enfanter spirituellement en participant à sa délivrance. C'est pour ça que je dis beaucoup de courage. Que Dieu te bénisse. On va t'aider. On va aider toute la famille. Soyez bénis. La vieille. La vieille. Marmite, elle est venue. Abla, comment on appelle donc, comment dire en Fabla. Oh, Bali. Bla. Fabla.
Il y a toi à côté. Fabla, Fabla. Ah, le fils là, il est bon, hein. J'ai duré dans le bureau, lui, mais la prime auto. Bah, il y a caméra de sorcellerie chez moi. Donnez une chaise à la vieille. Où elle est indiquée, c'est là que tu as trouvé. Très bien. On acclame comme ça. J'étais ici quand j'ai eu la révélation du canari. C'était le dimanche passé, non, mais quoi. J'étais même ici quand je lui disais, elle ne voulait pas parler. Je lui ai dit, tu as un canari comme une. C'est ça le ministère prophétique. Amen. Voilà. Donc la vieille, elle a envoyé l'autre qui. L'autre qui, c'est ça, dit. L'autre qui. L'autre qui. La qui. Ah, ça, c'est Nida. Ah, voici le canari mystique de la vieille. C'est dans ça qu'elle regarde pour Nyeni Nyeni. Comment on dit prend? Fa. Hein? Fa. Mansou. Un micro. Le respect en baoulé, c'est qui? Elle dit que c'est un miroir, c'est dans lequel, quand elle regarde dans le miroir, elle voit tout le monde. Quand celui qui avait tué, c'est dedans qu'elle repère la personne. Pourquoi elle n'a pas bien expliqué, on va comprendre. Elle dit, nous parlons maman, mon petit. Elle dit que c'est un miroir, elle regarde l'eau. Une caméra. Vas-y, miroir là, frère, ça t'explique pas, okay. Ça vient. Elle dit que c'est une caméra. Mystique. Mystique. Donc, elle regarde, maintenant elle voit les gens, elle voit l'image des gens. Maintenant, ceux qu'elle veut tuer, c'est à travers ça qu'elle tue maintenant. Comment elle procède? Donc, après ça, elle va y aller à travers ta couleur. Comment ça, elle va y aller à ta couleur? Bonjour. Pourquoi elle va y aller à ta couleur? Pourquoi elle va y aller à ta couleur? Pourquoi elle va y aller à ta couleur? Elle dit qu'elle a son, elle a un jeune. Quand elle voit les personnes dans le canari, elle appelle le jeune, c'est le jeune qui les tue. Non, elle. Même, vous restez dans l'esprit de confession. Pourquoi vous aimez changer sur le champ? Il faut lui dire qu'elle est venue ici. Elle cachait le canari. C'est Dieu. Il m'a donné cette grâce de voir le canari depuis chez elle. Il m'a donné cette grâce de voir le canari depuis chez elle. Voilà. C'est ça. Voilà. Mon noir. Ah! Mon noir, ça dit tais-toi un peu. T'as vu? On va t'aider. Tu peux pas discuter un sorcier. Non, non, non. Parole. Ils ont fini ça. Jurez. Ils craignent pas Dieu. Ils craignent pas Dieu. Jurez là. C'est le premier. Tu as les voitures. Je jure. Il faut arrêter tes conneries. Tu es là. Elle est venue la parler jusqu'à. Je lui ai dit. N'a pas la canari chez toi. On a même la vidéo là. Le dimanche passé. Donc ça brille. Image. Je procède comment? C'est ma a passé. Elle regarde dedans, elle voit les yeux. Elle a qu'à monter comment faire. Non, pas en fait, Fanny, elle n'y a pas de nom. Faut faire, je chante un peu. Elle n'y a pas de nom. Elle n'y a pas de nom. Il y a deux mains. Non, ça a dit non. Pas ça a dit non. Elle n'y a pas de nom. Hein?
Elle dit d'abord le nom de la personne qui regarde dedans. Bon, dis le nom de quelqu'un qui t'a déjà tué. Faut pas quelqu'un qui est vivant. C'est le canari, le mystique. C'est jamais. Bien joué. Après, ça, on va payer. Il n'est pas pour les envoûter. Faites-moi à vous. Après, tout le monde va bien. Nous, on veut voir comment elle procède. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est mieux. Tu reconnais que c'est à toi le canari? Bien yo, papa vous ok, on va vous lire, c'est manqué. Ça va non, mais où y a papa les mots? Comment vous faites mon dieu, tu as tu lié? Comment où? Moi je lis là. Comment mais où y a? Elle dit c'est pour son mari. Oh, c'est pour toi qui, c'est toi qui transforme, c'est pas ça? La vieille. Tu prends quoi pour tuer les gens, c'est pas ça? Ah, mais tu as quoi aujourd'hui? C'est son mari qui l'a donné. Son mari expliqué en fait. Elle a transformé ça en caméra mystique. Comment on appelle ça embêté, petit canari? Et dans le monde là-bas, fais regarder dans tes voiles. Faut regarder. Il est Nianou. Regarde. Nianou, c'est bon. Regarde, pourquoi t'as fait regarder aujourd'hui? Dis toi-même ton nom. Nianou, pourquoi nous, maman Nianou? Oui. Tu dis quoi, puis à quoi tu apparais? Nianou, quoi, il y a un canal, c'est un peu plus de 100 000 vidéos. Elle dit qu'elle a son avion. Quand elle est dans l'avion, c'est là où elle regarde et elle peut voir l'âme des gens là. Ah, le Kojo là. Voilà, le Kojo. Maintenant, ça veut dire que ça devient GPS. Ok. Le Kojo, elle la suit. Dessus. Et puis maintenant, elle regarde GPS. Ça localise maintenant les gens. Et quand elle voit dans GPS, elle fait quoi après? Je ne sais pas si je suis en train de me dire. Je ne sais pas si je suis en train de me quand elle voit la personne, quand elle voit celui qu'elle a besoin, qu'elle veut tuer, elle va tuer cette personne. Ça peut quoi? Elle fait quoi? Après avoir regardé dans le canari, elle voit les arbres. Maintenant, celui dont elle avait tué, elle tue cette personne. Dormi. C'est maman. Ça là, tu prends. Ouais, c'est dans le monde spirituel que je vois. Ouais. Elle dit quoi? Elle dit c'est dans le monde associé les voix. Mm-hmm. Et puis elle fait quoi? Comme quand on veut quoi de ma dio. Elle dit quand elle voit maintenant, si elle veut les attraper maintenant pour les tuer, elle attrape le hameur et les tue maintenant. Ah donc elle parle, elle voit la personne dans le canari. C'est ça? C'est ça. Ok. Et puis maintenant, comment elle procède? Non, quel cacon ou sans nous? Mon calme a été mon grand bébé. Elle est cessée. Il y a un travail. Et puis elle dit qu'elle attrape le âme. Ah, ok. Donc, ça dit que l'âme, l'esprit, la personne a la capacité d'apparaître là. Oui.
quand elle prononce le nom. Oui. Ok. Elle détient ce pouvoir de qui? Non, moi, enfin, le sorti n'est pas mon nom. Non, son pouvoir est bon. Timi, oh, bah, une capacité de pouvoir appeler l'âme de. Non, on va pas. Timi, là, moi, allez-moi, pas faire plus ça, moi, au pitié. Moi, personne ne me parle mon nom. Elle dit que c'est dans le canari que se trouve le pouvoir. Et que celui qui a donné le pouvoir, et le canari, c'est dedans, l'a mis le pouvoir. Ils se sont lavés avec, comme les médicaments sont lavés avec, et donc le pouvoir est pris en elle. C'est son mari, c'est son mari. Il est là aussi. On dit pas les fouets. Ah, on dit qu'il est sorti. Ça va bien vous sortir. Bon, ben, envoyez ton canard. On va aller finir la vie. Et puis, elle allait prendre un canard et aller manger. Elle dit qu'elle n'est pas fâchée. Donc, monsieur et madame étaient des sorciers. Non, on dit pas les fouets. Et vous avez tout ça, vous n'informez personne. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de canaries de sorcellerie. J'explique. Ok, leur monde opératoire, c'est quoi? C'est-à-dire, tous vos ce qu'on appelle chance, ils vont stocker. C'est comme vous avez le téléphone, par exemple, iPhone. Les données de trucs, on va stocker ça quelque part, iPad. Stock. Donc, les données, quand tu veux faire des recherches, c'est là-bas. Moi, quand ton téléphone est perdu, tu bloques, tu as des codes, on bloque ça parce que les données vont quelque part. Donc, c'est comme ça. Donc, vos chances, quand il y a une confrérie quelque part, la confrérie a toujours un canari. Si vous écoutez très bien les aveux des gens, ils disent on l'a mis dans le. Quand on dit la maman ou le papa a bloqué ton étoile, c'est pas bloqué, planqué, planqué. Mais il prend ton étoile, il enfuit ça dans les canaries. Bah, une fois s'enterré, c'est fini. Tu vis sans une étoile. Or, c'est cette étoile-là qui devient, qui a la gloire, qui permet de briller. Une fois c'est étouffé, tu tombes dans l'obscurité. Personne ne peut te saluer. Tu es une jeune femme, personne. On te voit bizarre, bizarre. Toko, 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 on te joue comme ballon. Moussa, Draman, Ousseini, Gilbert, Kitambé, tout. Parce que ton mari est enfui. Or, ce qui intéressait Jésus, on dit Lazare est mort. Ok. Il est mort. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Il est mort. Il est où? Ce qui intéresse Dieu maintenant, les sorciers vont nous en cacher. Mais où ils vous ont mis? C'est ce qu'on appelle la délivrance approfondie. Arrêtez la délivrance superficielle. C'est ce que les gens essaient de faire. Ils vous imposent les mains et puis c'est fini. Et vous avez l'impression que rien n'a bougé. Ah non, il faut aller en profondeur de la délivrance. C'est pour ça que nous, l'habitude, on dit
il ne suffit pas seulement de passer aux aveugles. Quels sont les instruments de sorcellerie? Parce que c'est ce qu'on utilise, ou là où les gens vous ont mis, c'est ça. Et nous, on a aidé beaucoup de gens comme ça là-bas dans les villages. J'avais une vidéo que les gens circulaient en m'insultant, tout ça. Or, c'était la même chose ici, dans le village, où les gens, on veut bloquer la vie des gens dans un cadenas, et je suis allé détruire le cadenas. Il n'y a plus de mort. Il y a des délivrances qui nécessitent d'aller sur le terrain. Où vous avez mis là, c'est ça qui intéresse Dieu. Amen. Oui. C'est ça, quand vous faites vos prières, priez de telle sorte que là où les gens vous ont mis là, que Dieu vous fasse sortir de là. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse sortir de là. Quand Jésus a appris que c'était dans le tombeau, ils ont même découragé Jésus. Ils ont dit non, c'est bon, il sort déjà, c'est même pas la fin de partir. Jésus, il sort. Jésus dit non, c'est ça qui m'intéresse. Ta place n'est pas. Votre place n'est pas dans le canari. Je suis désolé, ton mariage ne doit pas être dans le canari. Ton argent doit pas être dans le canari. Les gens ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle mystique. Tu ne peux pas comprendre parce que c'est une affaire spirituelle. Dieu le révèle à ceux en qui il a envie de révéler. Ceux qui maîtrisent le monde spirituel, gloire à Dieu. Or, la Bible dit, ne vivez pas selon la chair. Les gens vivent selon la chair. Ils comprennent charnellement les choses. Or, la Bible dit de marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons comprendre les choses selon l'esprit. Les choses sont bloquées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon problème, il est spirituel. Alors Jésus parle, il dit Lazare sort. Et quand Lazare est sorti, c'est fini. Il a été totalement libéré. C'est là où vous avez mis qui va plus intéresser le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est cela que quand le sorcier garde, nous ce qui nous intéresse, c'est comment délivrer les victimes. Les gens ils parlent. Il délivre, on a prié, on a entendu un sorcier parler. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Quelles sont les victimes? Les sorciers ont gâté qui? Eux, ils vont beau parler, ils ne vont jamais réparer les dégâts causés dans leur vie. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont experts en destruction. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, quand ils font des aveux, ça nous intéresse de savoir les gens qu'ils ont liés, ligotés. Les gens qui sont programmés. C'est un peu notre spécialité ici. Parce que si vous priez pour elles et que vous ne vous occupez pas des personnes victimes programmées déjà, mais ça va les atteindre puisque ça a été déjà fait. Amen. C'est ça que ça nous intéresse. J'ai vu que la vie a changé d'humeur parce que le pouvoir puissant qu'elle avait vient d'être démasqué. Et puis son fils a dit, ouais, il y a Canary là-bas. On ne comprend pas la sorcellerie. Alléluia. Amen. On ne comprend pas la sorcellerie. Nous ne sommes pas les gens. La Bible dit, nous et le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous devons renoncer aux yeux du diable. Je vois les jeunes personnes qui courent. Lui, c'est sa maman. Mais c'est qu'elle dit là. Si lui veut rentrer dans nous, c'est ma maman. Il va aller le manger. Il a programmé le 30e. Allez manger. Une bonne sauce. Gombassou. Il y a gombo dedans, il y a aubergine, beaucoup de piments. Mange. Vous n'êtes pas qu'on me mange. Maman, toi, quand tu te dis. Amen. Sinon, le sorcier est tout déjà dans son environnement. Il ne va pas loin. Elle a pris son fils, elle a programmé pour la mort. Et nous sommes en train de la délivrer. Mais en même temps, c'est qui? C'est un instrument puissant qu'elle a. Qui avait besoin d'être. Oui, puis détruit. Est-ce qu'elle est contente du fait que ça la soit? Il faut lui demander. Maman, il serait l'eau. Elle a bien réfléchi, elle dit, ah, comment ils ont pu voir le canari? Ah, le canari là, comment ils ont vu le canari? Comment ils ont vu le canari? Ma fasse ma barre, ma saki, oyo fait. Et moi, il fait.
Elle dit qu'elle est contente. C'est pour ça qu'elle est venue. Contente. Ah. Son pouvoir vient de... C'est la fin de... C'est la fin de son pouvoir. Amen. Vas-y, ça, si ça, on ne prenait pas, t'en as rien fait. C'est pour ça que Dieu m'a révélé la dernière fois pour dire qu'il faut que le canari soit peu. Qu'on récupère le canari, qu'on détruise le canari. Ça va? Un Myriam connaît. Je fais comme ça. Ça va? La vie et ses humains ont changé. Vous n'avez pas vu? Vous parlez pour quoi là? Pas de baoulé. Elle s'est dit, mais ah, je voulais y aller, je voulais parler et puis aller voir le canari après. Mais, du coup, le canari est en permis. Donc, moi-même là, c'est fini. C'est pas bon, la vieille. C'est pour ça qu'elle est venue, pour que tu casses ça. Et comme c'est pas bon, c'est pour qu'elle est venue, pour que tu casses plus ça. On appelle ça en deux, en parler, c'est quoi? Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Puis tous les canaris de vos parents. Oui, ils ont mis ta chance là, ça n'a qu'à être détruit aujourd'hui. Amen. Salut. Tu es content? Comment tu dois? Elle est quoi? Elle est contente, elle est vécue. Chante un chant de Dieu. Il y a ton Dieu qui parle moi. Il y a ton Dieu qui parle moi. C'est pas chanté. Faut reprendre tout. Non, vas-y. La bienvenue de l'église. Canari là est cassé, il a plus rien dedans. Ah, le pouvoir est gâté. La vie, elle a dit, mon dernier pouvoir là. On va chanter ça. Aux enfants, ton temps est venu, tu vas partir. Mais ceux qui sont vivants, c'est pour que ça cause d'homme est content. Il faut que les gens soient délivrés. Ils souffrent inutilement. On allait les manger, cadeau. La vie, c'est fini. Bah, oui, oui.
Bravo. Bravo, merci. Demain matin, on va faire ta délivrance. Lève-toi. Je sens. Je sens bien. Très bien. On va prier pour elle. Je maudis la présence de la sorcellerie dans ta vie. Par la puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance. La puissance de Jésus. Je maudis la présence de la sorcellerie dans ton corps. La puissance de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. Hey! Esprit de sorcellerie. Le feu sur toi. La vieille, faut écouter, c'est le pasteur qui te parle. Allez! Esprit sorcellerie. Quitte son corps. Dans le nom de Jésus. Parlez! Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Pas. Allez, quitte. Feu. 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 Allez. Allez, le feu. Le feu. Le feu. Viens, quitte là. Feu. Feu. Allez. Le feu. Consume tes heures. Ça veut dire qu'elle est possédée, elle est un esprit de sorcellerie en air. Okay. On a détruit le canari, mais ce qui en est doit être détruit. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est une lutte entre l'esprit de la sorcellerie et son corps. Or, on ne peut pas donner de lait à quelqu'un. C'est de la protéine. Le sorcier va grossir. Mais la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Elle est contrôlée par un démon. Il faut qu'on chasse le démon. Vous ne pouvez plus qu'elle voit son fils comme un abouti. Vous ne pouvez plus qu'elle voit son fils comme biche, comme hérisson. Or, si l'esprit est là, quand son fils passe, maman, comment dire bonjour en baoulé? Magno. Elle dit, abouti gnagno. Abouti gnagno. Abouti. Parce qu'elle le voit en abouti. Une petite sorcière. Guagassou. L'esprit. C'est comme ça qu'il nous voit. Et il nous voit en goutti, en rat, hérisson, en viande. En viande. Oh, pour qu'arrive pas viande, un kilo fait demi. Vous n'avez pas de temps et c'est vous qui voulez manger viande. Vous faites hacher là-bas ou bien. Comment ils font viande hachée? Il n'y a pas de temps, c'est viande que vous voulez manger. La nuit, vous envolez. Quand vous vieillissez, vous marchez, vous êtes, vos épaules sont bizarres. Ça les fatigue, la société. Ça les fatigue. Parce qu'ils se retrouvent dans un machin où ils ne peuvent plus se défendre, ils ne peuvent plus quitter dedans. C'est pour cela qu'ici, ça a beaucoup de compassion. Quand on les écoute, on a beaucoup de compassion. Parce qu'elles-mêmes, ils l'ont justement blagué un peu et puis les rentrer dedans. Feu! La puissance de Dieu. C'est là qu'on appelle la délivrance. Si elle est sortie de là,
elle n'est plus sorcière. Sinon, l'esprit est en elle. Malgré tout ce qu'elle a dit, malgré ses aveux, elle est sorcière. Mais ce qui la rendait sorcière, c'est l'esprit qui est en elle. C'est un esprit de sorcellerie. C'est ce qu'on appelle esprit mauvais. C'est un démon. Donc, elle a parlé. C'est pour ça que le démon, il est terrassé. Parce qu'il se sent vaincu. Et en réalité, quand il passe à des aveux sincères, quand il dit tout, l'esprit est neutralisé. Il ne trouve pas sa raison d'être dans le corps même. C'est pour ça qu'il faut qu'il parle. Or, il y avait un pacte de silence entre elle. C'est un pacte. Et puis son royaume de la sorcellerie. Elle ne doit rien dire. Le silence. Le jour où elle dévoile tout, l'esprit se dit, mais attends, je fais quoi dans ce corps? Parce que l'esprit de vérité l'année maintenant. Or, dès que l'esprit sort, le Saint-Esprit vient prendre la place. Parce que même la nature aurait du vide. Quand l'esprit mauvais sort, le Saint-Esprit entre en elle, lui donne cette capacité d'avoir la maîtrise de soi et d'aimer son prochain. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Amen. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Le monde de la sorcellerie vient de travailler. Agis. La puissance de Dieu. 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 Votre maman, elle avait beaucoup de démons. Satan est parti vague par vague. Satan est parti vague par vague. Vague par vague. 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 Vague par vague. Vague. Je suis en train de voir 9236 démons. 9236 démons. Donc, vague par vague. Donc, elle comme ça, si elle mourait, elle lègue ça. Un héritage. Dans la famille. Et Satan est parti. 9232. 36, c'est ça? La puissance de Dieu. Part! Au nom de Jésus. L'esprit part. La puissance de Dieu. Hey! Tu vas lâcher son corps. Tu vas lâcher sa vie. La puissance de Dieu. 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 La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors, Jésus te délivre ce soir. Vous-même, vous êtes témoin de ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Malgré sa sorcellerie, nous sommes en train de l'aider à se débarrasser de ces démons-là. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Quelqu'un qui est possédé comme ça, comment elle peut se maîtriser? C'est comme une folie. Feu! Au nom de Jésus. Le feu! Voilà, Satan est parti vague par vague. Vague par vague. Vague par vague. Vague par vague. Au nom de Jésus. Allez! Voilà. Va. Allez. Libérez-la. Libérez-la. Si elle avait parlé qu'on la laissait, pas te manger. Parce que la parole n'a pas été délivrée. Feu. Allez. Il y en a beaucoup comme ça dans les familles. Ils n'ont pas été démasqués. Et Dieu, aie pitié de nous. Le feu. Le feu. Quelqu'un qui a un jet privé ou un GPS pour ça. Le feu tension tes œufs. 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 On la voit, mamie, elle avait pitié. Elle avait pitié. La nuit, elle fait barbecue. Elle fait barbecue la nuit. Sauce graine, sauce arachide. Elle a bien mangé.
Quand la sorcellerie n'a plus de sentiments, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de sentiments, il n'y a pas. Les petits qui passent, ils deviennent comme un agouti. J'ai envie de le manger. Salut maman. Elle voit agouti. Que Dieu ait pitié de nous. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres. Consume tes œuvres. Consume tes œuvres. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle est possédée, chargée, contenait des démons en elle. Feu! Feu! Aïe! La puissance de Dieu. 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 Consume des œuvres. Dans ce corps, consume tes œuvres. Dans ce corps, lâche-la. 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 Je vais maintenant rester 700 démons. Ok. Au moins, qu'il y auront. Bon, c'est en train de partir. Vague, 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 vague. Ok. Il va rester maintenant 700 démons. On va gérer ça rapidement. Hein, et puis elle sera délivrée. Elle va vous voir, elle sera maintenant lucide. Voilà, elle sera très lucide. Bonjour maman, ah maman, mon fils, Adou. C'est maintenant fils. Tu l'en vois, c'était l'hérisson. C'était le cabri. Comment on appelle ça? Pimenté. Manco Zoé. Elle aime bien ça. On ne fait pas trop d'efforts. On jette ça dedans. Le manco Zoé est clair. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Maintenant même. Jésus te délivre. Et il faut avoir la patience. Parce qu'on n'aura pas une délivrance. C'est pour ça qu'il faut être patient. Convaincu que les démons sont partis. Sinon, s'ils restent encore, ils vont revenir. C'est cela que, en matière de délivrance, si vous avez le ministère, vous voulez vous aspirer à la délivrance. Voilà, ils sont en train de partir. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Parce qu'ils ont perdu. C'est pour ça que quand vous faites la délivrance, demandez le don de discernement et puis de vision. Et ça, c'est important. Ce sont des outils très importants en matière de délivrance. Tu es en train de chercher quelque chose que tu ne vois pas. C'est dangereux. C'est très dangereux. Si vous voulez avoir ces dons-là, faites 7 jours de jeûne sec. Moi, je n'aime pas 7 jours. Dieu va vous donner ça. Il va vous ouvrir les yeux. Vous faites 7 jours sans manger, vous allez voir. Le 8e jour, vos yeux vont commencer à s'ouvrir. La puissance de Dieu. La puissance. Il reste maintenant 100 démons, c'est fini. C'est plus beaucoup. Les autres là, 600 sont partis. Voilà. Le reste sont pas des partis. Généralement, les derniers là, ils ont trop de mouvements. Ça veut dire que tout en train de partir, bien, regarde cette. Le mouvement qui fait ses pieds, tout en train de partir. Tout en train d'être en train de partir. En train de partir. Les esprits sont en train de quitter cette vieille. Les esprits sont en train de quitter la vieille. La puissance de Dieu. Je remercie les enfants qui sont en train d'aider le moment à quitter là. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Jésus. Tremble! Voilà. 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 Les démons sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Généralement, les plus forts, les puissants démons, ils vont dernièrement. C'est comme les capitaines dans un bateau. Ils laissent le bateau, le seul à quitter après.
C'est comme ça. Les plus dangereux restent pour assister à la fin du film. Quand on n'arrive pas à les chasser, c'est eux qui appellent les autres. Venez, venez. Allez, revenez, allez. Il n'a pas pu. Pourquoi il a pu? Allez, venez. Nous sommes là, allez, revenez. Dieu est merveilleux. Hein? Amen. Ici, c'est une formation, c'est une école. Hein? Voilà, c'est l'école de délivrance. Voilà, donc, lâche-la. Maintenant, je sens trois démons. C'est les plus dangereux. Généralement, c'est les plus dangereux qui sont là. Et je cache. Il y a des mouvements. Il peut rentrer dans sa tête. Il peut rentrer. Il peut prendre tout ça. Il ne veut pas partir. Parce qu'il se sent mieux à l'aise dans un corps humain. Les démons, ils sont plus à l'aise dans un corps humain. Ils ne sont pas d'accord de sortir. Ils vont aller où? Ils ont dit à Jésus, mais tu nous cherches, on va où? Je dis, mais allez-y là. Voilà. Voilà. La puissance de Dieu. Voilà. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voilà. Ils ont maltraité le corps. Ils ont utilisé la vieille. Des conneries. Maintenant, là, vous allez voir qu'elle va commencer à avoir des remords. Les trucs ont de passer dans sa tête. Mais elle est incapable de se maîtriser. Parce qu'elle avait ça en elle. Va et ça s'en va. Va et détruit et ça va. La puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin de votre règne dans ce corps. C'est la fin de votre règne dans sa vie. La fin de votre règne dans sa vie. Allez-y. C'est pour ça que par moment, quand les gens finissent de faire des livrances, ils ont l'impression qu'ils m'attendent. On avait prié pour toi, non? Les autres n'étaient pas partis, ils étaient là. La puissance de Dieu. Les esprits sont très rusés. C'est pour ça que la Bible les appelle l'esprit malin. Esprit malin. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Souvent, les derniers sont difficiles à partir. Ils vont difficiles. Parce qu'une fois sont partis, il n'y a plus de connexion. C'est comme une connexion. C'est là. Et dès qu'ils appellent, mais attends. Oh, puis, on est fort, on est resté. Il y a eu quoi? Revenez. Gori Rivera. La puissance de Dieu. La libérer. L'agneau a pu s'envoler. C'est fini. Or, l'agneau est obligé d'une partie. Elle s'envole. Elle prend le Kunjo. Elle part. GPS est là. Elle voit, tu vois, New York. Elle te tape. Et puis c'est fini. La puissance de Dieu. La puissance. Ouais, passer les GPS, les trucs, les radars, les trucs qu'on arrive, on localise un truc. Ouais, les amusements. Ça existe dans le monde spirituel. La sorcellerie, c'est une science occulte, c'est la science. Comment ils ont les informations? Comme faisait la jeune fille, elle se transforme en chat. Bon, il y a des choses un peu indébites parce que vous allez embrouiller les quartiers. Vous dites, où sont les fourmis? Où sont les cafards qui sont dans les quartiers? On dit, le prophète dit que. Donc il y a des choses un peu indébites. Vous allez changer notre combat. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Bon, il reste un seul. Un seul démon. Vous voyez comment on ne passe à prendre du temps? C'est un travail qui est très fatigant. De rentrer dans une affaire, ça n'arrange pas ni toi, ni tes enfants, ni ton entourage.
La vie regrette. Oh, le papa m'a dit ça. Quel état? Et puis Dieu l'a envoyé vite à Mauritanie. Elle est délivrée. Comment on dit, va y expliquer là, c'est comment on dit. Va y expliquer en toi, c'est comment on dit. Va y m'affûter en nous. 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 Vous parlez. Il n'a pas dit n'est plus. Naïlité, 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 Naïli go go go, Naïli go go go, Naïli o Naïli o, Naïli go go go, Naïli go go go. Et quand Jésus wa, Nekayoku o Naïli go go go, Naïli go go. Maintenant quoi les devant. Et quand Jésus wa. Nika yukule na ili go go go, go go go, na ili o na ili o, na ili go go go, go go go, na ili o na ili o, na ili o na ili go go go, go go go, na ili o na ili o, na ili o na ili go go go, go go go. Naïli o, naïli o, naïli o, naïli go go go. Il ne faut pas aller derrière. On l'a dit, celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. N'est pas digne. Bayayo, comment va-t-il le nom Mao? Nani aussi le nom, Mao aussi le nom, le faille pas soigner le brio. Désormais, Jésus. Son Jésus, non. Elle va. Vous les vieux comme ça, quand on vient à l'église, vous avez beaucoup là, ça cache ici. Ça, c'est pas qu'on est vieux là. Sont assurés. Elles dépensent petit, elles ont l'argent. Quand on vient, voilà 20 000, voilà 30 000, pour manger, elle-même au campement, elle vient demander crédit. Je connais les vieux quoi. Elle a attaché tout ça. Elle a attaché pas. C'est un copain qui est là. Copain. Qui va t'assurer, maman? Copain. C'est bon. Naïli o, naïli o, naïli go go go.